Hey. Fais de ta vie comme tu veux. Voyage à travers le monde. Va découvrir les autres, l'autre coin du monde. Va faire les restaurants avec tes amis. Achète-toi tout ce que tu peux acheter. Profite de ta jeunesse. En gros, fais ce que tu veux. Mais par contre, il faudra faire attention à chaque mot qui sort de ta bouche. Remue 7 fois la langue avant de parler. Réfléchis avant de dire quoi que ce soit. Parce que les mots, quand ils sortent, c'est comme si tu m'as dit faux. Tu m'as dit faux, mais par contre, tu ne sais pas les dégâts collatéraux que cela va causer. Je te dis ça parce que il était une fois un homme extraordinaire, fort, rapide, pétri de talent, meilleur de sa génération. Un homme qui a marqué le monde. Et cet homme, il s'appelle Mohamed Ali. Un grand musulman. Un musulman pratiquant. L'un des meilleurs boxeurs au monde. Pour ne pas dire le meilleur boxeur de tous les temps. Il a émerveillé le monde à travers son talent, son énergie, sa vivacité, son courage. Mais par contre, il disait quelque chose après chaque combat. À chaque fois qu'il est interrogé par les journalistes après ses combats, il leur dit: je suis Mohamed Ali, je suis le plus grand. C'est moi le plus grand. Et il l'a dit à plusieurs reprises. Mais après sa retraite, Mohamed Ali était malade. Il est tombé malade d'une maladie incroyable. Malgré sa notoriété, malgré ses moyens, malgré tout ce qu'il a réalisé dans ce monde, malgré son talent de boxeur, il n'a pas pu se soigner. Il n'avait même plus le contrôle de ses mains. Un grand boxeur avec une main magique qui a émerveillé le monde entier, qui est une légende et qui se trouve incapable de contrôler ses mains à cause d'une maladie. Et dans une interview, il était en ce moment malade. Il a dit: je disais toujours que j'étais le plus grand. Mais aujourd'hui, je réalise que je ne suis pas le plus grand. Le plus grand, c'est Dieu. C'est Dieu le plus grand. Allah Azzawajal, c'est lui le plus grand. C'est lui qui donne le pouvoir. C'est lui qui arrache le pouvoir. Celui qui donne la santé, celui qui reprend la santé. Aujourd'hui, je réalise que je ne suis pas le plus grand. Le plus grand, c'est Dieu. Alors, le but de cette vidéo, chers amis, c'est pour vous dire que l'arrogance, c'est grave. Peut-être quand vous êtes jeune, vous avez de l'énergie, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous dites. Mais ça peut vous rattraper. Alors, faites attention à ce que vous dites. Contrôlez ce que vous dites. Merci, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux avoir plus de vidéos de ce genre, plus de motivation, alors dites-moi dans les commentaires. Alors, abonne-toi à ma chaîne. Laisse-moi des commentaires, des pouces bleus. On se retrouve très prochainement. C'est votre Big Line Motivation, l'éternel guerrier mandé, l'esprit des ancêtres.
Merci, on se retrouve très bientôt.